Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va discuter des objectifs anamorphiques en compression 1.33 de chez Sirui, le 24 et le 50 mm avec lequel je me filme à l'heure où je vous parle. Avant de commencer, ceci, ça, ici et là, et on se retrouve après l'intro. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un objectif anamorphique, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste là. Ça vous permettra de mieux comprendre les caractéristiques d'un objectif anamorphique et le style que ça permet de délivrer. Ce n'est donc pas la première fois que j'ai un Sirui dans les mains. La première fois que j'ai utilisé le 50 mm de chez Sirui, donc qui ouvre à f1.8, c'était sur un ancien boîtier que j'avais, un Fujifilm X-T3. J'étais déjà tombé amoureux de cet objectif parce qu'il était piqué, il avait un caractère de fou et c'était exactement la définition que j'avais d'une image cinématique. Donc tout ça, c'est psychologique, évidemment, mais c'est tout simplement que depuis que j'ai l'âge de regarder la télévision et des films en particulier, et ben de suite, dès qu'on me dit cinéma, je pense à ce bokeh étiré de haut en bas, à ces bokehs ovales sur les sources de lumière, ainsi qu'à cette distorsion, on va dire cette distorsion en barillé, donc qui est un peu arrondie sur l'image, qui fait que tout de suite dans mon esprit, ça sonne cinéma. Évidemment, on sait que c'est tout un ensemble qui fait qu'une image est cinématique, d'aller avoir la colo, la composition et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que ces caractéristiques-là sonnent en moi tout de suite comme image cinématique. Donc, après l'avoir essayé sur mon Fujifilm, je me suis dit qu'à partir du moment où j'allais changer de boîtier, j'étais obligé de reprendre un set d'objectifs anamorphiques de chez Sirui. Ils sont trop bien en fait, ils sont trop bien. Aujourd'hui, pour les specs, on va fonctionner différemment. Vous avez l'occasion de les chercher directement sur le site internet ou d'autres vidéos sur YouTube qui vont vous détailler au gramme près le poids de ces objectifs. Moi, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite fiche déroulante sur l'écran. Et ça nous permettra de ne pas perdre 4 à 5 minutes à expliquer les spécifications de cet objectif. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 24 et ce 50 sont des objectifs anamorphiques qui ont une compression de 1.33. Dû au fait que ce soit un objectif anamorphique, vous allez gagner 33% sur les bords par rapport à une focale de même longueur. Donc là, par exemple, je vais avoir un 24 mm, sans évidemment parler du capteur, parce que lui aussi va cropper, donc partons sur un plein format. Ce 24 mm, sur un plein format, il ne va pas avoir une largeur d'un 24 mm, mais une largeur de 24 divisé par 1.33, ce qui va vous faire environ 18 mm. Donc en fait, avec ce 24, vous allez avoir une hauteur de 24 mm, mais une largeur de 18 mm. Ça va être donc beaucoup plus large. Pour le 50, ça va être pareil. Vous n'allez pas avoir une largeur de 50 mm, mais d'environ 37 mm. J'avais déjà fait les calculs auparavant. Et cependant, vous allez avoir une hauteur de 50 mm. Donc en fait, un objectif anamorphique va vous permettre d'être beaucoup plus large sur les bords par rapport à la focale qui est annoncée. C'est pour ça que sur les plus grosses productions d'objectifs anamorphiques, style Atlas, Hawk et Panavision en anamorphique, vous allez retrouver de suite du 40 mm. Mais comme c'est des compressions x2, c'est logique, le 40 mm en fait va être un grand angle au niveau de la largeur de l'image, puisque 40 divisé par 2, 20, vous avez compris le système. Donc, ces objectifs sont des compressions 1.33. Il existe un 24 mm, un 35 mm, un 50 et un 75. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux principales questions qu'on pourrait se poser quant à l'achat de ces objectifs anamorphiques. Bon, déjà, partons sur le prix. Le prix d'un objectif anamorphique, le prix moyen d'un objectif anamorphique, c'est 5 à 6 000 euros. Bon, sachant que les plus chers montent jusqu'à 40 000 euros et que des sets entiers d'objectifs anamorphiques peuvent monter jusqu'à 200-300 000 euros. Donc déjà, on va dire que c'est réservé à une certaine partie de la population et sachez que certaines gammes d'objectifs anamorphiques sont disponibles uniquement à la location dû au coût qu'ils ont. Donc très peu de personnes peuvent se l'offrir, même les grands réalisateurs préfèrent les louer parce que c'est un investissement énorme pour une utilisation que très restreinte, on va dire que ça dépend vraiment de l'ambiance que vous voulez injecter dans votre réalisation. Donc le prix de ces objectifs est que très peu onéreux par rapport au marché de l'anamorphique. Le 24 mm est à 600 euros, le 50 mm est à 500 euros,
le 35 à 600 aussi et le 75 dans les mêmes eaux. C'est rien. Sachez que vous avez le set entier pour 2 400 €. Donc, ces objectifs vont vous permettre de mettre un pied dans l'anamorphique pour très peu d'investissement. Et pour ce qu'ils vont vous permettre de faire, je suis désolé et merci Sirui, mais vous allez payer beaucoup moins que ce que vous devriez payer. Donc, nous, ça fait notre bonheur, on est content, on les achète et on peut faire des trucs hyper cinématiques avec un cachet bien différent des objectifs sphériques et ça fait méga plaisir. Donc, venons sur un point très important. Anamorphique, vraiment? Eh ben oui, je suis très heureux de l'affirmer. Effectivement, ces objectifs sont bien des objectifs anamorphiques. Pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait se dire que pour le prix et pour l'investissement qu'on en a, ils pourraient nous fournir une qualité bien moindre que des vrais objectifs anamorphiques. Ils pourraient nous vendre, entre guillemets, du rêve et au final avoir des objectifs de basse qualité. Mais c'est absolument pas le cas de Sirui. Je prends le cas du 50 mm car c'est une focale assez longue qui va permettre d'avoir un beau bokeh en arrière-plan. Sachez que si vous ouvrez à f1.8, à 2, à 2.8, vous allez avoir cette caractéristique de l'objectif anamorphique, cet étirement de l'arrière-plan et puis ces bokeh ovales. Bon, c'est pas aussi poussé que sur un objectif qui a une compression de 2, mais ça commence à être très marqué à partir du moment où vous êtes à pleine ouverture. J'ai pris le 50 car sur le 24, évidemment, ça se voit beaucoup moins vu que c'est une focale beaucoup plus courte et surtout le 24 ouvre quant à lui que à 2.8. Dans tous les cas, on s'en fiche parce que le principe d'un grand angle, c'est de faire du grand angle, donc le bokeh en arrière-plan, on s'en fiche un peu quoi. Cependant, les caractéristiques de l'anamorphique sont bien présentes sur les deux objectifs. Le bokeh sur le 50 mm avec ses ovales bien définis et cette distorsion. Et le 24 mm est quant à lui hyper marqué en distorsion en barillet. C'est ce qu'on appelle la distorsion en barillet. Et ça va être cette espèce de distorsion sur l'image où on a l'impression qu'elle s'arrondit vers l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'un objectif anamorphique, pour ma part, représente. Sachez qu'après, il existe différents types de distorsions sur les objectifs anamorphiques. Sirui a sorti une nouvelle gamme en plein format qui, elle, a une distorsion inversée par rapport à cette gamme de Sirui 1.33. Et au lieu d'avoir une distorsion qui fait comme ça, vous avez une distorsion qui fait comme ça. Autre caractéristique de l'anamorphique à ne pas négliger, les flares. Et comme vous le voyez sur cet objectif, les flares sont bien présents. Sachez que c'est exactement pareil sur le 24, les flares sont bien présents. Bleu, pour ma part, ces flares, du coup, ça me rappelle de suite des films de science-fiction, Alien et tous les gros blockbusters que j'avais l'habitude de regarder quand j'étais plus jeune. Donc, les caractéristiques de l'anamorphique sont bien présentes dans ces deux objectifs et dans toute la gamme de Sirui en 1.33. Au niveau de la qualité optique, ces objectifs vont vous fournir une très bonne qualité. Sachez que sur les objectifs anamorphiques et même les meilleurs objectifs anamorphiques du marché, comme les Panavision, les Hawk et les Atlas, quand vous êtes à pleine ouverture, vous avez un piqué qui est grandement dégradé et c'est très très soft du coin au centre. Sur ces objectifs-là, ils ont voulu mettre l'accent sur la qualité optique et sachez que même à pleine ouverture, vous aurez un centre très piqué et des coins un peu moins à pleine ouverture, mais si vous baissez de 1 ou 2 stops, vous allez avoir un piqué qui est très bon du coin au centre. Donc c'est nickel. Les objectifs anamorphiques sont normalement faits pour la vidéo. Sachez que ces objectifs vont arriver avec des bagues qui n'ont aucun cran et qui sont quant à elles très smooth mais n'auront aucun crantage pour tout ce qui est follow focus main ou stabilisateur. C'est pour ça que vous devrez soit acheter des bagues qui vont se mettre sur l'objectif comme celle-ci et qui vont pouvoir vous permettre de mieux gérer le focus sur vos vidéos. Le 35 quant à lui arrive directement avec les bagues quand vous faites l'achat de celui-ci, mais les autres va falloir acheter des bagues qui font pile la taille ou alors utiliser les bagues qui vous sont fournies quand vous achetez un stabilisateur et votre follow focus. Pour ma part, c'est un des seuls points négatifs de ces objectifs, c'est que normalement des objectifs anamorphiques sont vraiment spécialisés pour la vidéo et que pour le coup, je pense que c'est une histoire de coût
et pour pas avoir un budget qui explose non plus, Sirui a négligé ce côté de crantage des bagues, mais on va dire que c'est rattrapable en achetant des bagues directement sur internet. Autre point négatif qui n'en est pas vraiment un, mais c'est que là je cherche la petite bête, pour moi la compression 1.33 c'est pas assez pour vraiment rentrer à pleine balle dans le monde de l'anamorphique. Ça va déjà avoir un certain caractère par rapport aux objectifs sphériques et on va le ressentir sur les vidéos, mais pour moi 1.5, 1.8 en compression ça aurait été encore plus fou, mais encore une fois c'est une histoire de coût et je pense que si la compression était aussi élevée, Sirui aurait mis et affiché un autre prix. Pour ma part, le plus gros point négatif sur ces objectifs, ça va être la bague de mise au point. Dans un premier temps, la bague de mise au point a une rotation de 180 degrés, ce qui est vraiment pas beaucoup parce que vous allez passer de du focus minimum, par exemple sur le 24, de 60 cm à l'infini en 180 degrés, c'est-à-dire que là, j'ai fait toute la plage de focus. Pour vous donner un exemple, sur mes objectifs cinéma qui sont juste à côté, la bague de mise au point fait une rotation de 270 degrés, c'est-à-dire presque deux fois plus que celle-là. Donc ça veut dire que j'aurai une mise au point beaucoup plus précise avec mes objectifs cinéma. Là, par exemple, on passe de 10 mètres à l'infini juste en faisant ça. C'est, je dirais peut-être 5 degrés. En 5 degrés, vous êtes passé de 10 mètres à l'infini. Et c'est un gros point négatif, puisque quand vous allez faire un focus sur quelque chose qui est un peu éloigné, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment essayer d'avoir des choses qui sont un peu moins loin que 10 mètres, parce que sinon vous allez tout de suite focus sur l'infini. Et ça peut être compliqué des fois quand on veut faire la mise au point sur un objet qui est à 20 mètres et ne pas avoir l'infini, mais l'objet qui est à 20 mètres. C'est très compliqué. Pour ma part, c'est les seuls gros points noirs de ces objectifs. Après, pour donner mon avis personnel, j'en tire que du bon. Même au-delà de ces points négatifs que je vous ai donnés, pour ma part, ils comptent même pas. Parce que tout le reste prend le dessus. Le caractère de l'objectif, la qualité optique. Sur mon capteur 16/9, ça va me donner du cinéscope, donc ça va être vraiment agréable à l'œil, ça va de suite donner cet aspect cinématique. Au niveau de la reproduction des couleurs, ils sont très bons, ils sont un peu sur une teinte chaude, mais c'est rattrapable encore une fois sur la colorimétrie, donc pas de souci à ce niveau-là. Le caractère que développent ces objectifs est vraiment très très bon, et pour ma part, j'y vois que très peu de points négatifs, et ceux que j'ai énoncés sont avalés immédiatement par les points positifs de ces objectifs. Si vous cherchez à mettre un pied dans le monde de l'anamorphique, ces objectifs sont faits pour vous. Si vous cherchez à avoir un caractère pour un investissement qui est moindre, ces objectifs sont faits pour vous. Si vous cherchez à vous rapprocher des images cinématiques et anamorphiques que vous voyez dans vos films préférés depuis que vous êtes jeune, ces objectifs sont faits pour vous. Cependant, il faudra prendre en compte la compression qui est de 1.33 et pas de 2. Par rapport aux objectifs qui sont présents dans les grosses productions visuelles, donc 1.33, il faudra prendre en compte que ça reste quand même des objectifs d'entrée de gamme, pas de cran pour le follow focus, une rotation à 180 degrés, un peu juste sur certains cas de figure, et encore une fois je dis certains parce que c'est négligeable. En fait, il n'y a même pas de question à se poser. Franchement, si vous cherchez des objectifs anamorphiques, bon prix, foncez, prenez-les, ne réfléchissez même pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de là, ici, ici, là, 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 là. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rrrrah.